Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Salam alaikum les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer dans 30 secondes. Donc comme d'habitude, on laisse toujours 2 petites minutes afin que tout le monde puisse se connecter et on va commencer, Inch'Allah. Allez, bismillah, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous continuons notre série de cours sur le monde des anges. Alamul Malaika. Et nous répétons qu'il est très important pour le musulman de connaître les anges. Et cette série de cours va vous aider toute votre vie, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Parce que, en connaissant les histoires, en connaissant les caractéristiques, en connaissant ce que le Coran et ce que la Sunna nous a informé, nous a appris des anges, à chaque fois que vous allez lire le Coran, à chaque fois que vous allez entendre parler des anges dans le Coran, à chaque fois que vous allez entendre parler des anges dans les hadiths de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre de quoi on parle. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man yuridillah bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah il veut du bien,
il lui fait comprendre la religion. C'est-à-dire que si Allah, il te veut du bien à toi, il va faire en sorte que tu comprennes la religion. Et le sujet le plus important de notre religion, c'est ce que l'on appelle le tawhid. Répétez, tawhid. 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 Le tawhid, c'est le fait de connaître Allah, de connaître qu'Allah azzawajal est unique. Et dans le tawhid, dans la croyance en Allah, il y a le fait de connaître, dans la croyance en Allah et dans les piliers de la foi, pardon, il y a le fait de croire aux anges. Parce que le fait de croire aux anges est le deuxième pilier de la foi. Hier, nous avions cité que les meilleurs des anges, comme cela a été rapporté de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, étaient les anges qui ont participé à la bataille de Badr. Donc nous allons commencer ce cours en expliquant brièvement, puisque ce n'est pas le sujet, mais en expliquant brièvement quelques aspects de la bataille de Badr. Alors sachez, lorsque vous entendez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des batailles, a combattu, etc. Il est important de savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme violent. Il n'était pas un homme qui était méchant. Bien au contraire, il est le meilleur des hommes. Il est le meilleur de toutes les créatures qu'Allah Azzawajal a créées. C'était un homme de paix. Il aimait la réconciliation. Il aimait que toutes les choses se passaient sans avoir recours à la violence ou autre, et à de nombreuses reprises, comme lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré à la Mecque. Il est rentré pour conquérir la Mecque. Il disait, celui qui rentre à la mosquée est en sécurité. Celui qui rentre chez lui est en sécurité. Celui qui rentre chez Abu Sofiane est en sécurité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait de recommander à ses compagnons la douceur et la paix. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de transmettre le message aux gens. Et tout cela dans une atmosphère de paix, de réussite, afin d'accomplir son devoir. Mais les Quraysh, est-ce que les Quraysh, ils voulaient la paix? Est-ce que les Quraysh l'ont laissé transmettre son message? Non. Les Quraysh, ils ont tout fait, ils ont humilié les musulmans, ils se sont moqués du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Certains lui ont même craché au visage. D'autres attendaient qu'il priait pour jeter des choses, des boyaux, etc., des animaux sur sa tête. Ils ont même assassiné, tué, torturé ses compagnons. Mais avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté et il se tournait vers Allah azzawajal. Et lorsque les musulmans sont devenus plus forts, lorsque les musulmans, ils ont construit une société, ils sont émigrés à Médine. Alors à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de se défendre par la bataille.
Alors les Quraysh, ils se sont mis en marche vers Médine. Et est-ce que vous savez, les Quraysh, ils ont préparé une armée de combien de personnes? De 10 000 hommes. Imaginez-vous, 10 000 cavaliers ou 10 000 soldats. Parce qu'ils étaient un cavalier, celui qui avait un cheval, n'avait pas tous des chevaux. 10 000 soldats, ils ont marché jusqu'à Médine et ils se sont arrêtés à moins de 100 kilomètres, à peu près 80 kilomètres de Médine, dans une vallée, dans un endroit qui s'appelle Badr. Répétez, Badr. Et c'était pendant le mois de Ramadan. 2 ans après la Hijra, 2 ans après que les musulmans ont quitté la Mecque pour partir à Médine. Et lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu que les ennemis, que les Quraysh sont arrivés à Badr, qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wa sallam? Il a préparé une armée, il se rendit vers Médine à la tête d'une armée de 313 musulmans. Les mécréants étaient 10 000, les Quraysh étaient 10 000 et les musulmans étaient 313. Il y avait très peu de chevaux et ils n'avaient même pas d'armure. Alors que les Mécois, les Quraysh, ils avaient de très grosses armures, ils avaient avec eux 300 chevaux et plus de 700 chameaux. Mais est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'Allah, azza wa jal, a laissé les musulmans comme cela? Non. La bataille a commencé un jour de vendredi, le 17e jour du mois de Ramadan. Et cette bataille, elle a duré seulement quelques heures. Elle a duré seulement quelques heures. Durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal le secours. Et ça, les enfants, retenez toute votre vie, peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, n'oublie pas qu'Allah azza wa jal t'entend. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Avant de demander à tes parents, demande à Allah. Même des choses qui sont toutes banales, des petites choses, demande-toi Allah, tout. Certains compagnons demandaient même le sel pour mettre dans leur repas, ils le demandaient à Allah, azzawajal. Tu as envie de quelque chose, demande à Allah. Tu as peur de quelque chose, demande à Allah. Tu es triste, demande à Allah. Tu es content, remercie Allah. Tu as peur, demande à Allah, azzawajal, de te secourir. Retenez cela, les enfants. Allah Azza wa Jalla il dit: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lorsque mon serviteur, et toi tu es un serviteur d'Allah, que tu sois un garçon ou une fille, tu es un serviteur d'Allah. Allah il te dit: Lorsque mon serviteur me demande, je suis proche. Allah il est proche des croyants. Ça veut dire quoi, il est proche? Ça veut dire qu'il t'entend tout, il sait tout, il voit tout, il contrôle tout, il gère tout, il administre tout, il dispose de tout, il donne la nourriture à tous ceux qui en ont besoin. Il nous donne l'oxygène, il nous donne l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à tes invocations. Donc toute ta vie, tu dois avoir ton cœur accroché à Allah azza wa jal. Tu dois savoir qu'Allah te surveille. Tu dois savoir qu'Allah t'entend. Tu dois savoir qu'Allah te voit. Tu dois savoir qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, répond à tout ce que tu lui demandes. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah azza wa jalla de le secourir. Et est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a secouru? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a secouru les croyants?
Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé une armée d'anges. Il a envoyé une armée d'anges et la bataille fut pour les Quraysh une déroute totale, une perte totale. Et les musulmans, ont gagné cette bataille en très peu de temps. Et vous savez à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était gentil et à quel point les musulmans nous sommes gentils. Sachez que dans cette bataille, il y avait 70 prisonniers. Il y avait combien de prisonniers? 70. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme méchant, il n'était pas un homme violent, il n'était pas un tyran, il ne semait pas la terreur. C'était un homme de paix, de douceur, de tranquillité, de compassion, de sagesse, de pudeur. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tout et beaucoup des prisonniers, ils savaient lire et écrire. Ils ont dit que chaque prisonnier, il enseigne à lire et à écrire à 10 enfants de Médine et il est relâché. Et là, on voit les enfants. Regardez à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'importance au fait de savoir lire et écrire l'arabe. C'est pour cela que lorsque vos parents, ils vous mettent dans les cours arabes, lorsque votre mu'allim ou votre mu'allima, elle vous donne des devoirs en arabe, vous devez être content. Vous devez les faire avec joie. On doit aimer la langue arabe. La langue arabe fait partie de notre religion. La langue arabe est la langue la plus belle, la plus riche. La langue arabe, ce n'est pas une matière comme les autres. La langue arabe, je dois aimer apprendre la langue arabe. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à cela, comme dans cette histoire. Il a dit, si chaque prisonnier, il enseigne à 10 enfants de Médine, je le libère, je le relâche. Donc regardez les enfants. Vous êtes des enfants musulmans. Vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il nous enseigne de savoir lire et de savoir écrire. Voilà pourquoi si un enfant parmi vous ne sait pas lire et ne sait pas écrire, dès demain, il demande à ses parents de l'inscrire dans des cours. Il y a des cours, que ce soit dans les mosquées quand elles vont réouvrir, que ce soit par Internet, qu'il y a différents moyens d'apprendre à lire et à écrire. Il faut absolument apprendre à lire et à écrire. Comme ça, nous savons lire le Coran. Et ensuite, vous apprenez à parler. C'est important d'apprendre à parler la langue arabe. Donc, beaucoup de prisonniers ont été relâchés comme cela. Et notamment, et on termine, avec Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, il a été relâché. Et plus tard, il s'est converti à l'islam et il est devenu celui qui écrivait les choses pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, Zayd ibn Thabit, il n'a pas été prisonnier dans la bataille, je me suis trompé. Zayd ibn Thabit, lui, c'était un enfant de Médine. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, c'était un enfant de Médine. Et il a appris, grâce à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à lire et à écrire et plus tard, il est devenu celui qui écrivait pour le prophète alayhi salatu wa sallam et plus tard, il est même devenu dans le califat de Uthman ibn Affan et on va en parler inshallah dans ce cours de Uthman ibn Affan, il est devenu celui qui a écrit qui a écrit le Coran lorsque le Coran a été rassemblé. Donc voilà les enfants pour
La bataille de Badr, pourquoi nous avons parlé de la bataille de Badr? Pour dire que les anges qui sont venus défendre les musulmans, participer à la bataille avec les musulmans, ces anges-là font partie des sons les meilleurs des anges. Alors la leçon d'aujourd'hui se porte sur les caractéristiques morales. Comment sont les anges? On avait déjà cité les caractéristiques physiques. On a dit qu'ils sont grands, on a dit qu'ils ont des ailes, on les a décrits. Maintenant, on va voir comment ils sont. Alors, sachez qu'Allah Azzawajal a décrit les anges comme étant généreux, comme étant pieux. Allah Azzawajal, il dit dans Sourate Abasa, il dit bi-aidi safara kiramim barara. Allah Azzawajal, il dit, en parlant des anges, entre les mains d'ambassadeurs, nobles, obéissants. C'est-à-dire que le Coran est entre les mains des messagers. Et ici, les messagers ici, ce sont les anges. Les anges sont des messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les anges ont été envoyés aux prophètes et aux messagers. C'est pour cela que Allah Azzawajal dans le Coran a utilisé ce terme en parlant des anges. Safara. Répétez. Safara. Safara. Safara, ici, dans cette sourate, bi-aidi safara. Les safara, ce sont les anges. C'est comme si on disait qu'ils étaient des ambassadeurs. Un ambassadeur, ça va être quelqu'un qui va être envoyé dans un pays ou dans une tribu, et notamment afin de réconcilier les gens, afin de garder et maintenir une bonne entente. Alors les anges, ils ont été écrits comme ambassadeurs, comme envoyés. Ils ont été envoyés par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour transmettre le message aux prophètes et aux messagers. Également, Allah, tabaraka wa ta'ala, a décrit les anges comme étant vertueux, comme étant obéissants, kiramim barara, nobles, obéissants, généreux, droits. C'est pour cela que les anges sont bons, les anges sont gentils, leurs actions, tout ce qu'ils font, c'est bon, c'est pur, tout ce qu'ils accomplissent, c'est quelque chose de bon. Ils ne sont pas méchants. C'est pour cela que celui qui apprend le Coran, celui qui apprend le Coran, le musulman, il doit être comme les anges. Il doit être bon. Tout ce que tu dois dire, ça doit être des bonnes paroles. Tout ce que tu fais, ça doit être des bonnes choses. Tu dois être droit. Tu dois suivre le droit chemin. Et tu te dois de donner de l'importance à l'apprentissage du Coran. Chaque jour, apprends un verset, deux versets. Regardez la sourate, un exemple que l'on a cité. Le premier verset, Abasa wa tawalla. Un jour, tu apprends un verset qui tout le monde ici peut apprendre, Abasa wa tawalla. Ensuite, demain, tu apprends, Anja'ahul a'ma. Tu auras appris les deux versets. Ensuite, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Eh bien, si tu fais cela, eh bien, en 10 jours, tu auras 10 versets. En 20 jours, tu auras 20 versets. Chaque jour, tu te dois d'apprendre le Coran. Et sache que là, depuis quelques cours, on parle des anges. Et vous avez envie. Vous aimeriez bien être avec les anges. Eh bien, écoutez ce qu'il dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, El-Mahiru bil-Qur'an. Celui qui lit le Coran de la meilleure manière,
Que ce soit qu'il a appris par cœur ou que ce soit qu'il a fait, il le récite de la meilleure manière. Ma'a safaratil kiram il barara. Il sera avec les anges, il sera avec les envoyés généreux et pieux. Et ensuite il dit, et celui qui lit le Coran, wayatata'u fihi, et il a du mal. Des fois tu lis le Coran, tu as du mal. Ah, tu lis doucement, et ben tes hasanat, elles sont doublées. Chaque lettre que tu lis, c'est 10 hasanat. Et bien, si tu lis doucement et tu as du mal, c'est 20 hasanats. Tu as 10 hasanats pour la lecture et 10 hasanats parce que tu fais des efforts. Imagine que tu récites Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 19 lettres. Quand tu récites, même quand tu répètes, t'es pas obligé d'avoir le Coran dans tes mains. Même tu es dans ta chambre, tout seul, et tu récites Bismillahirrahmanirrahim, tu gagnes 190 hasanat. 19 fois 10. Et si tu récites doucement, Bismillah, tu fais des efforts pour apprendre, fois 20, 380 hasanat. Alors imagine que tu récites la Fatiha. À chaque fois que tu récites la Fatiha, c'est des milliers de hasanat. Et imagine que tu récites Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Tawba, Yunus, Hud, Yusuf, Al-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Al-Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, etc. Imagine que tu récites toutes les sourates du Coran, les milliers, les millions de hasanats que tu vas avoir. Donc, il est important, les enfants, de s'accrocher au Coran. Il n'y a rien de plus important que de s'accrocher au Coran. Également, les enfants, une des grandes caractéristiques des anges, et retenez cela avec moi, barakallahu fikoum, c'est que les anges sont pudiques. Les anges ont de la pudeur. Est-ce que vous savez ce que veut dire la pudeur? Alors la pudeur, c'est un des plus beaux caractères, une des plus belles choses que la personne elle peut avoir. Lorsque tu as de la pudeur, automatiquement, tu vas devenir une belle personne. Tu vas être beau, tu vas être belle. La pudeur, c'est en réalité un ensemble de bons comportements. La pudeur, c'est un acte du cœur. C'est-à-dire que la pudeur, si on devrait expliquer ou résumer la pudeur, c'est très simple. C'est le fait de s'écarter de toutes les mauvaises choses, les mauvaises paroles. Pourquoi je ne dis pas d'insultes? Parce que j'ai de la pudeur. Pourquoi je ne crie pas? Parce que j'ai de la pudeur. Pourquoi je ne m'énerve pas et je me retiens? Je retiens ma colère. C'est pas la première chose que je vais prendre, que je vais faire une crise à la maison, que je vais m'énerver, que je vais me disputer. Non, j'ai de la pudeur. Je vais m'écarter de toutes les mauvaises choses. Pourquoi je ne regarde pas des mauvaises choses? Et des fois, certains enfants, ben, ils vont regarder la télévision, ou ils vont regarder YouTube, ou Internet, et des fois, il y a de très mauvaises choses. Pourquoi je ne regarde pas les mauvaises choses qui sont sur Internet ou sur la télévision? Pourquoi? Parce que j'ai de la pudeur. Pourquoi je n'écoute pas n'importe quelle chose avec mes oreilles? Pourquoi lorsqu'il y a de la musique ou des instruments de musique, moi je n'écoute pas cela avec mes oreilles? Pourquoi? Parce que j'ai de la pudeur. Pourquoi lorsque je me dispute, je ne dis pas d'insultes, je ne fais pas de médisance? Je ne suis pas violent, je ne frappe pas parce que j'ai de la pudeur. Alors que ceux qui n'ont pas de pudeur, eh ben ils font les pires des choses. Ils font les pires des choses. Ceux qui n'ont pas de pudeur, eh ben ils peuvent même, des fois ils vont tuer les gens, ils vont agresser les gens. Là, l'homme qui n'a pas de pudeur, il va faire du mal. Il va faire du mal autour de lui. Il va faire du mal aux femmes et aux filles. Et la femme et la fille qui n'a pas de pudeur, elle aussi, elle va causer du tort autour d'elle. Et c'est pas pour rien que la femme musulmane, lorsqu'elle sort dehors, elle met un beau hijab. Elle se couvre le corps. Elle se couvre de la meilleure manière. Pourquoi? Pourquoi je mets le hijab?
parce que j'ai de la pudeur. La même chose pour le garçon. Bah, bien sûr, le garçon, il va pas mettre un hijab sur sa tête, mais le garçon, lui aussi, ne va pas sortir avec des habits serrés ou avec un short où on va voir ses cuisses et toutes ses jambes ou avec des habits. Non, le garçon aussi, il est pudique. Donc la pudeur, c'est vraiment quelque chose de large et de vaste. C'est pour cela que comme les anges, ils sont pudiques, nous aussi, nous devons prendre exemple sur les anges, mais surtout, nous devons prendre exemple sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui aussi, il était le plus pudique. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il était pudique, il avait cette pudeur. Et sachez qu'Allah azza wa jal dans le Coran, il nous a parlé de deux jeunes filles. Deux jeunes filles qui étaient très pudiques. Et vous savez comment Allah il a récompensé ces jeunes filles? Et une de ces jeunes filles, parce qu'elle était pudique notamment, c'est qu'elle a pu se marier avec un prophète. Elle s'est mariée avec le prophète Moussa. Le prophète Moussa, alayhi salam. Le prophète Moussa, dans son peuple, il y a deux personnes, puisqu'il habitait en Égypte. Il habitait en Égypte et il a vu deux personnes qui se sont battues, deux personnes qui se sont bagarrées. Alors le prophète Moussa, alayhi salam, il a voulu les séparer. Il a voulu les séparer. Et lorsque l'un des deux hommes, il y avait un homme de son peuple et un homme qui ne faisait pas partie de son peuple. L'homme qui faisait partie de son peuple, il a appelé au secours. Alors Moussa, alayhi salam, il était connu, il était influent en Égypte. Imaginez, c'était le fils adoptif du pharaon. Alors il est venu, il a voulu les séparer. Et l'autre homme, il s'est retourné contre Moussa, alayhi salam, il s'est retourné contre Moussa. Et le prophète Moussa, il lui a mis un coup de poing. Et en un coup de poing, l'homme, il est mort. Pourquoi? Parce que le prophète Moussa et d'une manière générale les prophètes, ils étaient très forts. Comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était très fort. Le prophète Moussa, alayhi salam, lui aussi, il était très fort. Mais là, il a mis un coup de poing et l'homme, il est mort. En un seul coup de poing. C'est pour cela que nous, les enfants, nos exemples, ce sont les prophètes. Nos exemples, ce ne sont pas des fois, surtout les garçons qui aiment bien faire de la lutte ou de la boxe, des fois pour eux, leur modèle, ça va être des boxeurs ou des lutteurs. Non. En ce moment, beaucoup, ils vont parler du lutteur qui s'appelle Habib ou la Khabib. Mais lui, ce n'est pas notre exemple. Ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est les prophètes. Ce n'est pas ceux que l'on voit à la télévision, même s'ils sont musulmans. On est content pour eux qu'ils sont musulmans. Mais le musulman, notamment, il ne fait pas un sport où il frappe au visage. Tu n'as pas le droit de faire un sport où on frappe au visage. Donc nous comme la boxe ou comme d'autres sports, nous, nos exemples, ce sont les prophètes. Et regardez le prophète Moussa, alayhi salam. Comment il était fort, mais est-ce qu'il était content d'avoir mis un coup de poing aux autres? Non, il n'était pas content. Il n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il a fait Moussa alayhi salam? Il a, comme il était dans sa ville et les gens ont commencé à le critiquer, il a eu peur que les gens lui fassent du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'Égypte. Mais le prophète Moussa, alayhi salam, il n'était jamais sorti de son pays. Il a quitté l'Égypte, il ne savait pas où il devait aller. Et il avait peur que les soldats du pharaon ne le rattrapent. Alors, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé sa confiance en Allah Azzawajal. Il a dit, « Asa Rabbi, an yahdiyani sawa as-sabil. » Il a dit, j'espère, je souhaite, je demande à Allah qu'il me guide sur la voie droite.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et il s'est arrêté à un endroit que l'on appelle Madian. Répétez Madian. 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 Madian, c'était l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala avait anéanti un peuple, le peuple de l'Aïka. Répétez l'Aïka. Quel prophète a été envoyé au peuple de l'Aïka? C'est le prophète Shu'aïb. Répétez Shu'aïb. Alors il est arrivé à cet endroit-là et il avait un point d'eau, comme une sorte de puits. Alors il a trouvé des gens. Imaginez Moussa alayhi salam, il est arrivé dans cet endroit, il a trouvé des gens comme un rassemblement autour de ce puits. Et plus loin, il a vu deux jeunes filles. Plus loin, il a vu deux jeunes filles. Alors, il leur a demandé, ben, qu'est-ce que vous faites? Il leur a demandé, pourquoi elles restent là? Alors, elles lui ont dit, elles lui ont expliqué que leur père est très âgé. Leur père il est très âgé et il ne peut plus venir au puits pour abreuver les bêtes, pour donner à boire à ces bêtes. Alors elles ont attendu, elles attendaient tout le temps que les hommes partaient parce qu'elles avaient de la pudeur. Elles attendaient que les hommes partaient. Et quand tous les hommes y partaient, il lui restait un tout petit peu d'eau. Vous savez pourquoi? Parce que le puits avait une grosse pierre dessus. Il fallait plus de 10 hommes pour prendre la pierre, la tirer et donner à boire donner de l'eau pour les bêtes. Et ensuite, il remettait la pierre. Donc quand les deux jeunes filles elles arrivaient, il restait plus beaucoup d'eau. Et elles attendaient que les hommes partaient. Elles ne se sont pas mélangées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de la pudeur. Alors le prophète Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et à lui tout seul, il a pris cette pierre et là. À lui tout seul, alors que les autres, ils devaient être plus de 10, comme le dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et ensuite, il a pris, il a rendu un service, il a pris les animaux, il leur a donné à boire, il a remis la pierre tout seul. Regardez la force du prophète Moussa, la force qu'Allah Azzawajal lui a donnée. Et ensuite, il est parti près d'un arbre et il a demandé à Allah de l'aide. Il a demandé à Allah Azzawajal de l'aide. Il a dit, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Il dit dans le sens du verset, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Et ces jeunes filles ont entendu cela. Elles ont été parlées à leur père. Ensuite, elles sont revenues. Elles sont revenues. Et Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit? Tamshi ala istihya. Faja'athu ihdahuma. L'une des deux femmes, une de ces deux femmes, elle est revenue. Et elle est venue en tamshi ala istihya. Elle marchait pudiquement. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de parler aux hommes. Mais là, comme elle a eu l'autorisation de son père d'appeler et d'inviter, elle lui a dit, mon père t'invite pour te remercier d'avoir abreuvé nos bêtes. Et ensuite, Moussa alayhi salam, il a raconté son histoire à ce père. Et ce père, il a marié une de ses filles et avec le prophète Moussa alayhi salam. Donc regardez les enfants, à quel point il est important que nous soyons pudiques, comme l'était cette jeune fille, comme l'était aussi le prophète Moussa. Le prophète Moussa alayhi salam, personne, alors qu'il était très fort, personne ne voyait son corps, jusqu'à un jour, les gens du peuple de Moussa, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, Moussa, on voit jamais son corps parce qu'il dit que c'est un prophète alors que c'est pas vrai. Et Allah, il a puni, il lui a mis une maladie sur son corps, donc il se cache pour cela. Regardez le mensonge qu'ils ont fait. Alors que Moussa, jamais il voulait que quelqu'un voyait son corps. Donc quand il se lavait, il prenait sa douche, il allait très très loin. Il enlevait ses habits où personne ne le voyait, il le mettait sur une pierre et il se lavait. Mais Allah, il a voulu que les gens du peuple voient le corps de Moussa. Pourquoi? Pour qu'ils
qu'ils sachent qu'ils ont menti et que Moussa est un prophète et il est en bonne santé. Alors vous savez ce qu'il s'est passé? La pierre, elle s'est sauvée. Avec les habits de Moussa sur elle. Et Moussa, alayhi salam, il a couru derrière la pierre. Il a couru derrière la pierre pour lui demander d'arrêter. Et jusque les gens, ils ont vu le prophète Moussa en bonne santé. Il n'avait pas de maladie sur son corps, mais il cachait son corps. Pourquoi? Parce qu'il était pudique. Je termine puisque demain vous avez l'école et je ne veux pas prendre plus de temps que cela. Mais je termine les enfants avec un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que même les anges, ils avaient de la pudeur devant lui. Imaginez que même les anges étaient pudiques devant lui. Et c'est Uthman ibn Affan. Répétez Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui et il était allongé sur son côté, allongé sur son flanc. Il avait dénué ses pieds, donc il avait les pieds nus et on voyait aussi ses jambes. Donc imaginez la scène, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allongé et ses jambes, elles sont recouvertes. Elles sont découvertes, pardon, on voit ses pieds, on voit ses jambes. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est venu, il a demandé l'autorisation de rentrer, il est rentré, et le prophète, alayhi salatu wa salam, est resté dans la même position. Ensuite, Omar, radiyallahu anhu, il a demandé, il a fait l'isti'dhan. Et ça, c'est important, les enfants, de faire l'isti'dhan. L'isti'dhan, c'est de toujours demander l'autorisation avant de rentrer. Ça, c'est un point très important, les enfants. Je n'entre pas n'importe où sans avoir toqué, sans avoir demandé l'autorisation. Et même à la maison. Je te donne un exemple. Lorsque tu veux rentrer dans la chambre de tes parents, ils ont une chambre, tu veux rentrer, tu dois demander l'autorisation. Tu toques, Ethrol, est-ce que je peux rentrer? Oui, tu peux rentrer. Non, tu ne peux pas rentrer, reviens. Ou dans la chambre de tes sœurs, si tu es un garçon. Tu ne rentres pas comme ça dans la chambre de tes sœurs. Tu dois toquer avant de rentrer. Ou dans la chambre de tes frères, si tu es une fille. Tu dois faire l'isti'dhan. Retenez ça, les enfants. C'est très important. Comme l'a fait Abu Bakr, radiyallahu anhu, comme l'a fait Omar, radiyallahu anhu. Et Omar, il est rentré. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il est resté allongé avec ses jambes découvertes. Mais lorsque Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Lorsqu'il a demandé, il a fait l'istidhan, il a demandé l'autorisation, et ensuite il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le prophète, alayhi salam, lui a donné l'autorisation de rentrer, il est rentré, et le prophète, alayhi salam, il s'est assis. Il ne s'est plus allongé. Et il a recouvert ses jambes, il a recouvert ses pieds. Ensuite, ils ont discuté et ils sont partis. À la fin, Aïcha, qui était la femme du prophète et la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, wa alayhi salatu wa salam, elle dit, pourquoi? Quand Abu Bakr et Omar ils sont rentrés, tu n'as pas bougé. Mais lorsque Uthman, radiyallahu anhu, est rentré, à ce moment-là, tu t'es assis convenablement, tu as rassemblé tes vêtements, c'est-à-dire tu as caché tes jambes et tu as caché tes pieds. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pouvais-je pas montrer de la pudeur face à celui devant qui les anges font preuve de pudeur? Ça veut dire que même les anges font preuve de pudeur envers Uthman ibn Affan. Donc retenez les enfants, retenez les enfants, l'importance de connaître les compagnons et les quatre califes. Et là, nous avons parlé du troisième calife, qui est Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu,
qui était très aimé auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Uthman ibn Affan, il fait partie des 10 qui ont été promis au paradis. Uthman ibn Affan, radiyallahu an, un jour le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, je promets le paradis à celui qui va équiper cette armée pour la bataille. Et Uthman, c'est lui qui a équipé l'armée pour partir à la bataille de Tabouk. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il est celui qui s'est marié avec 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec Ruqayya, il s'est marié avec Kulthum, bien sûr pas en même temps. Il s'est marié avec Ruqayya et ensuite elle est morte. Et ensuite il s'est marié avec Kulthum. Uthman ibn Affan, retenez son nom. Et la même chose, quand vous avez le temps, faites une recherche, étudiez la vie de Abu Bakr, la vie de Omar, la vie de Uthman et la vie de Ali, radiyallahu anhum wa ardahum. Voilà pour la leçon et le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu profiter de cela. Et inshallah, durant le prochain cours, nous verrons les grands pouvoirs qu'Allah a donnés aux anges. On verra certaines choses, comme le fait que les anges ont une grande, grande, grande vitesse, une très grande vitesse. Ils ont un savoir qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Ils ont la capacité de se transformer en être humain, etc. Nous verrons cela. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Je vous souhaite une bonne soirée, les enfants, et je vous demande d'avoir le meilleur comportement pour cette nouvelle semaine d'école. Soyez les meilleurs dans le comportement, dans le sérieux, dans le travail. Barakallahu fikum.